Bonsoir les sixièmes. Alors là, je reviens sur le cours qu'on a commencé sur la vitesse et surtout sur la petite série d'exercices sur laquelle on a commencé à travailler. Je vous en propose une petite correction. Petit rappel rapide. La formule de base, c'est vitesse égale distance divisée par le temps. Ça, c'est les grandeurs physiques. La grandeur physique correspondant à la vitesse, c'est le rapport entre une distance et le temps qu'il a fallu pour parcourir cette distance. Si on utilise non pas les mots, mais les symboles, les symboles des grandeurs physiques, ça dénote V égale D sur T. Alors ça, c'est pour calculer la vitesse, mais on peut très bien vouloir calculer le temps ou vouloir calculer la distance. Je vous avais expliqué comment vous pouvez, parce que là, pour l'instant, vous êtes en sixième, vous n'avez pas encore les outils mathématiques pour travailler facilement avec ça, mais vous pouvez remplir votre triangle à l'aide de cette formule que vous aviez ici. C'est-à-dire que le D, vous savez qu'il est en haut et le T en bas. Si le D est au-dessus du T, ça veut dire que il doit être en haut, le D. Et en bas, le T, vous le mettez à droite ou à gauche, ça n'a pas d'importance. Et vous mettez le V dans l'espace qui reste. On considère qu'on a trois spots, si vous voulez, dans notre triangle. Ensuite, comment vous faites pour utiliser ça? Eh bien, vous cachez ce que vous cherchez. Par exemple, si je cherche V, je vais cacher V. Et apparaît quoi? Un D en haut, un T en bas. Un D en haut, en bas, et un T en bas, pardon, ça fait D divisé par T. Alors celui-là, on le connaissait, on était parti de ça. Mais on peut calculer T. Comment est-ce que j'ai trouvé ce T égale D sur V? Bah, je cache T. Et qu'est-ce qui me reste? Un D en haut et un V en bas. Donc c'est D en haut, V en bas. C'est D divisé par V. Et pour le dernier, qui est un petit peu différent, si je cherche D, je cache D. Qu'est-ce qui me reste? Un V et un T à côté. Bah, s'ils sont à côté, on fait une simple multiplication. Voilà. Ce petit triangle, il peut vous permettre de retrouver les trois formules qui finalement vous permettent de calculer les trois grandeurs physiques, vitesse, distance et temps, à partir du moment où vous connaissez les deux autres. Si vous en connaissez deux, vous pouvez toujours calculer la troisième. Alors, quand vous avez des petits exercices comme ça, ce qui est important, c'est de savoir ce que vous allez calculer, déjà. Donc le premier réflexe, alors, déjà vous lisez l'énoncé, mais le premier réflexe, ça va être de repérer ensuite la question, qu'est-ce qu'on vous demande? Combien, point d'interrogation, combien de quoi? Combien de temps? Le temps, c'est la grandeur physique que vous cherchez. Donc ça, il faut tout de suite vous poser la question. Ok, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le temps. Vous cherchez le temps c'est T. Quelle est la formule qui me donne T? La formule qui me donne T, c'était la deuxième, T égale D sur V. Donc vous écrivez la formule, vous commencez à écrire la formule. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à faire ce qu'on appelle l'application numérique, c'est-à-dire de remplacer les symboles des grandeurs physiques par les chiffres. D, c'est la distance. C'est quoi la distance ici? 240 km. Eh bien, vous mettez 240. Vous pouvez rajouter kilomètres, vous pouvez laisser l'unité pour l'instant. Ensuite, on divise ça par quoi? On divise ça par la vitesse. Et la vitesse, c'était quoi? 80 km par heure? Ok, 80 km par heure. Alors, on vérifie bien que nos unités de distance sont les mêmes. On a des kilomètres ici, des kilomètres ici, ça marche. Si on n'avait pas eu les mêmes unités, il aurait fallu faire une conversion de l'un ou de l'autre avant de pouvoir faire cette opération. Et ensuite, l'unité qui reste, l'unité de temps, bah, c'est justement... Ça nous dit l'unité de notre résultat. Là, on cherche un temps. Le résultat qu'on va trouver, ça va être des heures. Mais il n'y a plus qu'à faire l'opération. 240 divisé par 80. Okay, vous allez faire 240 divisé par 80 sur votre calculatrice. Okay, ça va vous donner... Alors, ça vous donne 3. Vous pouvez le faire soit de tête, parce que 240 divisé par 80, c'est comme 24 divisé par 8. Comme c'est 8 fois 3, 24. 24 divisé par 8, c'est 3. Si vous n'êtes pas sûr de votre calcul mental, vous utilisez la calculatrice et vous... trouver 3, ok? Égale 3 quoi? 3 heures, parce que je vous ai dit qu'ici, l'unité qui restait, c'était les heures. Un deuxième exercice de la même façon. Comment on fait ça? On repère d'abord quelle est la question. La question, elle est ici. Quelle distance a-t-il parcouru? Ce qu'on cherche, c'est la distance. La distance, c'est petit d. Petit d, c'est quoi la formule? Pour petit d, la formule, c'était d égale v fois t. On écrit V fois T. Et ensuite, on se dit, OK, on va faire l'application numérique. La vitesse, c'était quoi? 8 mètres par seconde. On écrit 8. On peut enlever les unités pour l'instant. Ensuite, on multiplie par le temps. Le temps, c'était quoi? 25 secondes. Est-ce que les unités de temps correspondaient bien, d'ailleurs? Ici, on a des secondes. Ici, on a des secondes. Des mètres par seconde. Donc, et notre résultat, ça sera des mètres. On fait attention. 8 fois 25. Vous prenez votre calculatrice ou vous dites, OK, 8 fois 25, c'est comme 4 fois 50, c'est comme 2 fois 100, c'est donc 200. Et le résultat, on a dit, la distance ici, c'était en mètres, parce qu'on voyait bien qu'on avait des mètres ici. Donc 200 mètres.
Voilà, deux exemples de correction d'exercice là pour le 7 et pour le 8. Donc vous pouvez procéder exactement de la même façon pour l'exercice 5. Vous pouvez procéder exactement de la même façon pour l'exercice 4. Attention, le 3, il est un peu différent, on le verra ensemble. Ici, on a une conversion unité, c'est un petit peu différent. Je vous ferai une petite capsule à part. Bonnes vacances et je vous dis à la rentrée.